Des masques. Je vous remets des masques. Alors, c'est des dons des gens. Hein. D'accord. Il y a des masques qu'on parle d'élastique. D'accord. À réparer. Bon, vous les préparez. D'accord. Et là-dedans, normalement, ouvrez-le. Vous avez tout cela, donc c'est des. D'accord. Donc ça, et ça, c'est un kit de protection. Ok. Donc, merci. Alors, ça a été remis par des gens du corps médical. Si ça peut vous dépanner. Alors, pour nous, c'est important. Parce que tous les gens qu'on va pouvoir préserver chez vous de la maladie, bah, c'est des gens qui ne seront pas dans l'hôpital et ça veut dire. Voilà. Quand on. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas. Alors, ça vous en fait une centaine. Voilà. Et on en a gardé un petit peu d'autres. On va les donner au gardien confiné. Ok. Je vous remercie. Bonne journée, merci. Et puis, c'est surtout nous qui vous remercions, on va parler de ce que vous faites. Il y a risque que vous prenez. On essaie de récupérer et grâce au don, parce qu'on ne peut pas acheter. On fait des petits films pour montrer aux gens qu'on aime bien leurs produits. Ouais. Et puis. En tout cas, je remercie les personnes qui ont fait les dons. Voilà. Et puis, que ça permet de voir qu'on veut, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y en a qui récupèrent pour prendre, oui, c'est dans la vie, c'est pas très bien. Je vous en remercie. Merci, bonne journée. Au revoir. Comme je viens de le dire, notre action continue. Et comme le disait hier Yves Tanière, tous les gens qu'on va pouvoir préserver en leur mettant des protections, en leur donnant des protections, c'est des gens qui n'ont pas l'hôpital, qui vont libérer les gens qui soignent dans les hôpitaux. Et le fait de libérer les gens qui soignent dans les hôpitaux va leur permettre d'apporter plus de soins et de sauver le maximum de personnes. La vidéo d'hier, nous avons collecté des masques et Yves Tanière, le représentant des travailleurs de l'hôpital de Fécamp, nous ayant dit qu'au niveau de la dotation ça arrivait, nous avons décidé de donner aux ambulanciers, qui sont aussi une des chaînes indispensables. Et plus on va protéger de gens, moins il y en a qui finiront à l'hôpital et ça libérera des places dans les hôpitaux. Bah, je vous remercie beaucoup pour eux. Franchement, il y en a 60%. Bah, c'est gentil comme tout. Ça va vraiment nous aider et puis pouvoir sauver des vies. Parce c'est ça, c'est l'objectif. Voilà. Hein. Tout à fait. C'est tous les gens qu'on envoie pas à l'hôpital, tous les gens qu'on sauve. Voilà. C'est de la place et des meilleures conditions de travail pour les hospitaliers. Au revoir, merci, bonne journée. Merci, bon courage. Merci. Au revoir. Donc, deuxième entreprise d'ambulance de Fécamp. Nous venons donc de porter des masques, ce qui permet aux gens de se protéger. Notre doctrine, c'est plus on protège les gens, plus il y a de gens sauvés. Moi, il y en a qui finissent à l'hôpital et ça permet aux hospitaliers d'avoir des meilleures conditions de travail et donc de sauver plus de gens. Voilà.